j'avais envie de vous parler de la roue de médecine et des cycles qu'elle m'invite à intégrer davantage dans ma vie et dans la gestion de mes projets. Alors, j'ai découvert cette roue de médecine à travers des cercles de femmes, puis plus tard, j'ai expérimenté pendant une année. Il y avait 4 jours qui étaient organisés et chaque journée intégrait vraiment l'atmosphère, l'énergie de chacune des saisons. Et puis, via le Cercle des Passeurs, qui est une association en France qui permet de rencontrer différentes personnes qui ont vécu pas mal avec les peuples premiers, les peuples racines, j'en ai encore perçu davantage de profondeur. Et aujourd'hui, je vous en parle parce que je trouve que dans la gestion d'un projet, c'est intéressant de mettre davantage de circularité, de cycle, et que pendant moi des années, j'ai été habituée à mettre du linéaire, c'est tout le temps pareil, j'ai toujours la même énergie qui est plutôt une énergie de feu et fouf, on y va. Et petit à petit, j'essaye d'intégrer cette nouveauté et de voir qu'il y a vraiment des moments plus calmes qui sont nécessaires et qui d'ailleurs sont très puissants. Et puis des moments d'exubérance et puis des moments de calme abondant et puis des moments où on tranche, des moments où on va à l'essentiel et on a une énergie plutôt, comment je dirais, on l'appelle l'enchanteresse. Bref, je vais vous expliquer ça grâce à un petit bracelet que j'utilise tous les jours et qui m'accompagne. J'avais aussi envie de dire que du coup ça m'a aidé à mettre davantage de circularité et aussi de me dire qu'il y a plus grand que moi. Ça me le rappelle du coup au quotidien qu'il y a des directions qui peuvent agir, il y a des énergies qui peuvent agir, il y a des saisons qui peuvent agir et en tant que femme, à l'intérieur de mon cycle menstruel, il y a aussi quelque chose qui tous les mois bouge et revient. Voilà les deux apprentissages que je fais pour l'instant de cette roue de médecine. Dans les peuples premiers, elle a aussi une fonction sur comment on occupe l'espace et en fonction de la direction dans laquelle on est, et ben, l'énergie de la prise de parole et l'énergie que l'on met au sein du collectif, du coup, évolue. Alors voilà, ici on a ce qu'on pourrait appeler une roue de médecine, sauf que c'est un bracelet, avec un fermoir que je bouge tous les jours. Et ici on est au nord. On est au nord, on est pendant l'hiver, dans le cycle menstruel ce sont les règles. Et c'est ce qu'on appelle le vide fertile. Ce qui veut dire que c'est le moment où, du repos. Et c'est aussi le moment où en tant que femme... j'essaie de filmer bien, mais c'est n'importe quoi. J'essaie quand même. C'est le moment où, en tant que femme, on est assez puissante. Pourquoi ? Parce que le lien entre le visible et l'invisible est la plus petite. Donc, il y a une membrane entre le visible et l'invisible. Et au moment des règles, cette membrane est très ténue, très petite. Donc, ça, c'est le nord. Donc pour l'instant, vous voyez que j'ai mon fermoir qui est là, ce qui veut dire que je suis réglée. Ensuite, il y a l'est. Et l'est, c'est le moment de l'effervescence, c'est le printemps, c'est la créativité. C'est le moment où dans un projet, on est peut-être plus à même de faire sa comptabilité ou ses to-do list. Voilà. Ensuite, on a le sud. Et le sud, c'est tout ce qui est, c'est l'été, c'est le midi dans une journée, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est le moment où on savoure tout ce qu'on récolte, tout ce qu'on a pu semer avant.
Et c'est un état d'être. Donc ici, on est, mais dans le peu. Ici, on est, mais dans l'abondance. Ici, on fait. Et ici, on est dans l'enchanteresse, on est dans l'ouest. Et on est plutôt dans aller à l'essentiel. Ici, c'était plutôt une énergie de jeune fille. Ici, on est plutôt dans la maturité et on se fait pas avoir par toutes les mille et une idées qu'on pourrait avoir. Et on est du coup dans quelque chose de... On va plutôt dire non. Autant ici, on va dire oui, autant là, on va dire non. On va vraiment dans l'idée éventuelle qu'on a envie de mettre en place, mais pas plus que ça. Voilà. Alors, comme premier petit pas, je vous inviterai à regarder, observer dans quelle énergie vous êtes, si vous êtes une femme, en fonction de votre cycle menstruel. Si vous êtes ménopausée, et ben le cycle se poursuit en fonction de la lune. Et la pleine lune, c'est la période du sud. La nouvelle lune, c'est la période du nord. Voilà, il y a que ce cycle s'invite dans vos vies à travers l'observation de l'énergie que vous avez. Et pourquoi pas se dire que cette roue, elle peut être invitée dans vos vies. Quand ma fille a eu ses premières règles, je lui ai offert le même bracelet que ce que j'ai eu, qui est un bracelet qui est fait de 4 pierres différentes qui ont l'énergie de la saison, de la direction. Et c'est une manière pour elle de voir que tout est cyclique. Et je trouve que c'est une idée qu'on a un peu perdue de vue. Et qui est belle à prendre. À bientôt.